Voyons, vous étiez où? Vous étiez où? Benny is money, hey. Benny is money, c'est la révision des cons, hey. Benny is money, hey. Benny is money, hey. Benny is money, c'est la révision des cons, hey. Benny Mimosa, Benny Two Belts, Benny Best in the World. Oh, de retour sur la chaîne principale de C'est juste de la lutte, et oui, vous l'attendiez. Pas aujourd'hui, complètement sorti de nulle part. Vous disiez, ah, qu'est-ce qu'il y aurait à avoir de spécial aujourd'hui? C'est le retour des foules, c'est le retour de la vie, c'est la fin de la pandémie, tout revient au beau fixe. Eh bien, mesdames et messieurs, non, nous on a décidé que tout allait changer parce que, alors qu'on était grunqués dans le métal, en fusion pour ce SmackDown, eh bien, à la suite de cet épisode épouvantable, voici la révision des comptes en mode CJDLM. Et oui, on fusionne les deux épisodes aujourd'hui sur la chaîne principale. Et naturellement, mon acolyte de toujours de CJDLM, c'est juste de la marde. Guillaume, l'ancien rocker. Ah oui, ça va faire du bien, on va sortir ça. Là. J'étais grunqué dans le métal au début, Benny, mais après ça, on va y venir, mais j'étais décrunqué de plus en plus que ça avançait. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors, ça va être une édition tout à fait capotée de la révision des comptes. On va se lâcher lousse, pas trop, parce que, on le sait, il y a des enfants, c'est pas juste les Patreons qui écoutent aujourd'hui. Il y a tout le monde, mais on le sait que ça fait longtemps... Les Patreons leur demandent l'épisode de C'est juste de la merde. Les vacances, la Coupe Stanley, toute la patente, l'été de fou qu'on a. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Il fallait le faire. Il fallait revenir à ça. OK, si. Alors, ça va être un mix, je pense, ce soir. Ça va être un bon mélange des deux, parce que C'est juste de la merde va être forcé par la bande d'arriver. Exactement. C'est la révision. Ah, mais tu vois, nous, on va avoir du plaisir. Contrairement à beaucoup de gens à Houston qui, Colin, à un moment donné, téléphone était proche, puis on cherchait quoi faire pour se désennuyer. Je suis. Aïe, aïe, aïe. Bon,
Alors, comment tu vas? Comment t'as passé ta semaine? Parce que je suis quand même chaud. Benny, là, je suis en vacances. Il n'y a rien qui peut m'atteindre en vacances. Même si c'est McDonald's, je suis prêt. Je l'ai presque aimé. Mais il ne m'atteint pas. Je suis heureux pareil. Rien ne peut m'atteindre. Mon bonheur ne peut être détruit par personne. Surtout pas mettons, Otis fâché. Ouais, ou Kevin Owens qui te fait un stunner, ce serait même pas suffisant. T'es pas en mode Baron Corbin, là. Non. J'ai pas perdu tout ce que j'ai en moins de 14 jours. Il a investi des bitcoins, hein. Il y en a tellement à cette heure. Faut que tu sois à l'affût de ces affaires-là. Mais... Mm-hmm. C'est beaucoup de travail. Le dodgy coin, là, patente, en tout cas. Mm-hmm. On n'embarque pas là-dedans, parce qu'on a plein de choses à vous raconter sur ce SmackDown. Fantastique, le retour des foules. Le retour de 14 000 personnes complètement en feu. Tabarouette, oui. Il était grunké dans le métal. Ça, par exemple, il était grunké en tabarnouche au début. Là. Je vais te laisser expliquer ce qui s'est passé, mais il était grunké. Il n'y a rien à dire. On a eu... on va commencer ça tout de suite. Le petit vidéo d'intro. Je pense, si je me trompe pas, j'ai pas vu la vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux aujourd'hui, je pense. Mais je pense que c'était le même vidéo. Mais vous pourrez me dire si c'était le cas ou non. Mais ça a commencé avec ce petit vidéo pour nous dire, oh mon Dieu, que c'était vide et que c'était plate. Mais là, voyons, on est revenu, c'est le fun. Puis encore, des petits hints, John Cena qui revenait souvent dans le vidéo. Puis on a vu Roman Reigns qui faisait sa promo à l'époque quand il avait battu Undertaker. Il était pas heel dans ce temps-là, mais ça fit bien avec son personnage maintenant. Fait que c'était beau de nous ramener ça. Et là, This is my heart. No chance. Ta-na-na-na, no chance in hell. Et oui, Monsieur McMahon, fringant pour... la dernière fois, il me semble qu'on l'avait vu moins fringant que ça. Même à WrestleMania, sous la pluie, je le trouvais un peu... Il était fringant, mais, il était un peu de Conor McGregor, puis tout. Exact. Puis là, la foule chantait sa toune, la foule capotait sa vie, t'es comme... Incroyable. Donne-moi tout ce que t'as, je vais tout prendre, tout ce que t'as. Puis qu'est-ce qu'il y avait, Benny? Il n'y avait pas grand-chose, finalement. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait six mots. Where the hell have you been? All right! T'es comme, yes! Tu te filmes, Chris, t'es yes! Ça va être c'est ça. Des fois, quand on reproche à la WWE, des fois, on dirait qu'ils sont comme déconnectés de la réalité. Ben, tu vois, Vince McMahon, lui, il sait. Il dit, je joue cette carte-là, épouvantable au complet, let's go. Fait que c'est ça. Il n'y a pas eu de pandémie. Ça pas... Bon. Zoé, il nous dit qu'il est arrivé en Gambada, c'est vrai. Il était heureux. Il était pas heureux longtemps, il était soufflé. Après moi, c'est ça qui est arrivé. Ben, c'est ça. Puis il s'est dit, non, je ne vais pas m'éterniser. Alors, ben là, le premier, moi, je me suis dit tout de suite, bon, ben ça y est, watch out on this day. Mais non. Non, pas c'est Roman Reigns, la vedette, la grande vedette Roman Reigns, qui fait son entrée. Et là, ben la foule est dans la confusion totale, parce que la foule, elle a le goût de cheer, fait qu'elle est contente de voir Roman Reigns, mais en même temps, elle connaît son rôle. Mais la foule était de même puis de même. C'est ça, il était comme ça, il était comme « Yeah! Yeah! » D'un côté, t'as le milieu en l'air, de l'autre côté, le pouce. C'est le même fantagiste. Je pense que c'est le même que j'étais dans mon salon, j'étais comme « Fuck you, je t'aime! » Ouais. Le même que j'étais. Et je me suis sûrement remarqué, parce que là, on nous a présenté une nouvelle infographie de la fameuse statue de Roman qui fait son « Ouah! » Et, tu sais, il y a des statues des fois dégueulasses, un peu comme celle de Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il avait une statue épouvantable. Beckham aussi, s'était fait faire le coup. Et là, Roman, c'est une des pires statues. Ça y ressemble presque. Et là, il est chanceux que celle de Ronaldo existe. Là. Oui. Parce que... c'est pas réussi, ce CGI, mettons. Dans quelques années, on va regarder ça et se dire, eh mon Dieu, on n'était pas rendu. Hein. Je fais une recherche pour trouver la statue de Ronaldo pour les moldus. Là. Je vais vous montrer ça. Vous avez parce que ça ressemblait à la face de... C'est épouvantable. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Hein? On est là. Et là, Roman fait son entrée, déjà prêt pour le combat. Et les Usos, eux, alors qu'on voit... je trouve, moi, que... C'est pas si...
À côté de la salle de Roman, c'est quand même pas si pire que ça. T'es dur, Benny, là. Mais on n'est pas encore rendu, c'est juste de la merde, là. On est encore heureux. Je sais, mais je sais, ah, ben oui, on était heureux. J'étais un peu surpris, mais heureux. Mais là, les Usos, eux, étaient déjà aux abords du ring. Alors, j'ai l'impression qu'on a pas trop voulu exposer Jimmy trop rapidement en faisant son entrée. Comme Jay, il était 2021, nouveau show, les cheveux rouges, a pris le reste de teinture, qui traînait Jay, de Zina Vega et tout. Un peu de nouveauté, moi j'étais comme un nouveau show. Ouais, mais Jay, je pense qu'il veut se distinguer de son frère, là, pour des raisons peut-être évidentes. En tout cas, il y avait aussi les nouveaux CGI, là, que c'était comme les photos de ce qui s'était passé précédemment dans SmackDown. Oui, exact. Mais la production aussi, la production Benny, ça, vraiment, les entrées, là, on point, il n'y a rien à dire. Oui. Non, ça, c'est leur force. Peut-être à part, la seule affaire que j'ai peut-être un peu regretté, c'est que après la vidéo d'entrée, je pensais qu'on allait dépenser une fortune en pyrotechnie, et ça n'a pas été le cas. Parce que d'habitude, c'est ça la pyrotechnie qui fait que le monde sont contents et que là, ça part. Mais on s'est donné une petite gêne, on a gardé Roman, ça pour Roman. Pour Roman, ces petites pyrotechnies habituelles. Donc, c'était le moment d'introduire leurs adversaires, les Mysterio. Et là, les Mysterio, enfin, Dominique, qui, pour la première fois de sa vie, pouvait lutter devant des gens. Et l'entrée qu'ils ont pratiquée durant la dernière année et demie, finalement servait à quelque chose. L'entrée que Dominique faisait pour absolument personne, puis des techniciens, d'aller voir la foule à gauche, puis après ça, de donner une petite tag à son papa, puis d'aller voir la foule à droite, tout ça qui n'existait pas. Ben, un an et demi de pratique pour ce moment. Et il était content. Je pense que les gens étaient contents de voir quand même, enfin, des bénéfices. Allez, papa, on s'en va sur le ring ensemble, en famille. Ouais. Et là, mon imitation, je l'ai volé. Oui. Let's go, papa, nous allons lutter. Oui, puis après, on s'en va à McDonald's, puis on achète des joyeux festins, parce que là, c'est les super-héros ce mois-ci, puis là, je veux avoir mon Batman en coussin. Bon, ça, c'est maintenant le moment du... Je suis obligé presque. Je veux pas faire de spoiler, mais c'est le pop de la soirée, Edge, qui fait son entrée comme si on était en 2019 et que c'était le Royal Rumble. Les gens étaient très heureux. Il y a quelques personnes qui ont des traces de break des pantalons encore aujourd'hui, là. Ben oui. En ce moment, là, ils se sont chiés les culottes. Là. Il est arrivé, il dit « Mon Dieu, je m'évide! » Exact. Parti aux toilettes. Exact. Pour le reste de SmackDown. Jamais revenu. Exact. Mais en même temps, on peut-tu les blâmer? Moi, pas tant. Je l'aurais pas blâmé pour être resté là. C'est ça. Edge qui fait son entrée. Tout le monde est content. Et c'est le match qui débute. Alors, il y a eu un petit stare-down entre Edge et Roman. Benny. Ils se sont regardés. Ouais. Benny, il y a eu une pause. Fallait se remettre nos émotions. Et j'aimerais mentionner qu'au retour de la pause, c'est la toune romaine qui jouait. OK. Je trouve ça hâte en crise. Ça, c'est vrai. Ils ont mis la toune. Le DJ, s'il te plaît, acknowledge moi. C'est elle la toune importante. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est un bon point que c'est elle la toune importante. Edge, le babyface, bon. Fait que c'est comme... Mettons, t'es aux toilettes, t'en reviens, t'es comme... Ah, ben, Chris, Edge, puis les autres n'ont pas eu l'entrée. C'est ça, toune. C'est ça. Le gars, ouais, c'est ça. C'est un peu ça qui est arrivé. Mais bon, il faut s'habituer à ça, parce que c'est l'habitude de SmackDown de nous mettre des pauses tout le temps. Puis, Gabriel qui nous écrit « Oh mon Dieu, je me vide », une réaction normale. À la lutte, les émotions sont dans le tapis, Gab. Tu sais, t'es un amateur de lutte, là, tabarnouche. Ben oui. C'est déjà vidé 2-3 fois, là, tu le sais. Là. Ben j'espère. Bon, alors, c'est le match qui commence. Il y a un petit stare-down entre Edge et Roman. Excuse-moi, mais tout ça n'est que pour faire en sorte que Jay essaye un petit coup sournois pour commencer le match. Mais Edge a mangé le premier coup, mais après ça, tout de suite repris le dessus. Et là, Dominique qui a reçu son premier cheer. Dominique. Puis honnêtement... Dominique. On sait pas si c'était-tu en canne ou non. Bon, on espère que non. On se dit dans notre tête, c'était pas en canne. C'était légitime. Les gens, Dominique s'est garoché de la deuxième corde, puis c'était bobo. Mais Roman a pris le tag de façon assez arrogante de son cousin. Amusé à sacrer une bonne rince à Dominique. Il a fait un powerbomb sur la table des commentateurs. La table qui n'a pas brisé. Mais un petit peu plus tard, il l'a pogné et il l'a ramassé dans le poteau. C'est un enfant. Roman, c'est pour un gars de famille, pas peur de sacrer une volée à un enfant. Au retour de la pause, parce qu'il y a eu une autre pause, Edge a pogné le tag, pogné un peu tout le monde.
a donné le blind tag à Ray, qui a envoyé un peu plus tard Jay dans les cordes. C'est installé pour le 619, mais Roman a intercepté Ray en plein vol, comme un enfant lui aussi. Et, mais tout ça a permis à Edge de servir un spear à Roman à l'extérieur. Là, Ray est revenu dans le ring. Il était avec Jay Uso. Et là, ben, premier roll-up, ça a raté. Jimmy a donné un petit coup sur le doigt dans le dos de l'arbitre. Oh, un autre roll-up. On tient les culottes. Roll-up, esti! Là, je serais comme... Yes! Tabarnak! Hey, ça fait combien de 15 mois, pas de foule? Mais je dis, c'est sûr que Thunderdome, ils nous niaisaient. C'est que leur reste de roll-up, ils savent pas comment finir ça. 50-50, il n'y a pas personne pour ruer. Là, c'est comme, Chris, de bon match. Puis là, je... Moi, intérieurement, même sur le Discord, aller sur le Discord, c'est juste d'habitude quand vous écoutez des shows de doute, c'est là que ça se passe. Puis là, tout le monde était comme, tabarnouche, un gros match en commençant. Ils voient ce qui se fait ailleurs. Holy Christ. Ils commencent avec un gros match, bing, 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 les vedettes, puis tout. Là, t'es comme, là, ça change, Benny. Non, 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 ta gueule, Benny, c'est sûr que ça change. Là, vous allez voir, fuck you, Benny. C'est tué le show, tabarnak, les CGI, puis tout est nouveau. Non, vous allez voir, le roll-up. Roll-up. Benny était même, je l'avais dit, je suis un spécialiste de SmackDown. Roll-up commencé, le move le plus destructeur du temps de la pandémie. Et de retour! Impossible. Et de retour! Tu sais, ce qui fait rire aussi là-dedans, c'est que tout le monde qui se fait faire un roll-up se plaint toujours à l'arbitre. Ah non, voyons! Puis t'es comme, vous regardez pas l'émission, vous perdez toujours par roll-up. Ouais, mais ça, Benny, arrêtez. C'est pareil comme une blessure sévère à un combat de UFC. On a vu McGregor avec la jambe complètement, la cheville complètement fracturée, donner de la merde à l'arbitre. Là, si. Je sais pas si fini que ça. Comment? Je suis un peu molle, là. Voyons donc. C'est pareil, les roll-ups. C'est les roll-ups sur les chevilles cassées. C'est l'équivalent. C'est l'équivalent. C'est un bon point. Merci. Là, ben, les Usos ont continué l'attaque sur les Mysterio. Alors, Edge est revenu sauver ses amis avec une chaise, un coup de chaise sur les Usos. Mais là, Roman est arrivé, Superman Punch. Et là, ben, il a vu la chaise. Et il s'est dit, une chaise, Edge est à terre, qu'est-ce que je vais faire? Alors, il a pété la chaise comme Edge le fait, donc avec un coup de pied pour en retirer le barreau du bas. Parce que c'est important d'attaquer ton adversaire de la seule façon que tu as déjà attaqué. Fais pas autre chose, mon tabarnouche, toujours. Non. Ça, c'est ça, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ben oui, c'est ça. Et là, Roman a tellement brisé la chaise et le poteau en question que le poteau a comme... plié dans le milieu. Parce que Roman est beaucoup plus fort que Edge. Edge, quand le poteau, il cause d'attitude, puis il se passe rien. Mais lui, Roman, il a fendu le pont. Il est presque fendu en deux. Là, il était mal pris parce qu'il était comme, ah, shit, je peux pas y faire le crossface avec ça. Fait que le temps qu'il déplie le poteau, spear! Edge, qui en a profité de cette distraction du poteau plié pour faire un spear. Et là, ben là, il s'est dit, moi, j'ai le poteau. Alors, je ne peux faire autrement. Alors, il l'a mis dans la bouche à Roman. Crossface. Et là, Roman a tapé comme c'est ça. Des fois, je me réveille la nuit et j'ai peur que ça m'arrive, ça. Ben oui! Ça me rentre dans la tête, c'est comme, c'est permanent. Qu'est-ce qui arrive? Ça a l'air de faire mal, là. Oui. Surtout ici, là. Juste là, sur le bord de la lèvre, là. C'est comme les jackass qui avaient fait, tu sais, c'était coupé, là, avec du papier, là. C'est ça que ça me rappelle. La pire torture, ça. Ça, c'est de la torture totale. Et Edge, qui termine le segment en faisant... l'erreur que tout le monde fait. C'est prendre la ceinture dans ses mains. Hey, ça, faut-tu être cave? t'écoutes pas de sport si tu n'as jamais vu de ta vie, Chris. Personne fait ça. C'est comme tu joues à la balle à Saint-Germain-de-Grand-Anne, le tournoi de la vieille ligue du Vieux Pride. Personne va toucher au trophée. Personne, lui, la plus grosse ligue. La ligue du Big Dog, ce petit gros raisin, il touche à ceinture. C'est jinxé. C'est sûr que c'est fini pour dimanche. C'est terminé pour dimanche. Alors, vous le saurez hein, dans vos prédictions. Yes, de toute façon, quand on n'est pas certain, on prend Roman Reigns. Tabarnak. Alors, Guillaume, ta note pour ce match sur 5$. Ah, ben là, niveau grand cash, puis ça, Benny, j'ai jamais. Je peux pas descendre en bas de 3.5. Massacre. Massacre 0 là. Plus c'était un 4 avant. J'étais comme trop content. C'est comme nouveau show. C'est Vince qui arrive, le monde était sur la coche. Je me disais, c'est le monde d'All Elite, ils sont rendus, c'est qui écoute la E aussi. Ils sont là aussi, c'est le monde tout le temps grunqué. Je disais, à la fin, tu vas avoir une vraie rivalité All Elite, WWE. Chaque partisan va prendre le plus possible pour son produit. Qu'est-ce que je suis content, vive la compétition, 3.5. J'avais pas vu le futur, là. C'est 3.5 à ce moment-là.
T'es complètement fou. Alors, je donnais 2,5 sur 5. Ah, parce que brisé. Moi, 15... Non, non, attends une minute, là. 15 mois de lutte à faire roll-up, 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 disqualification, roll-up, roll-up, roll-up. Le premier match, c'est un roll-up? Non, non. C'est, j'aurais donné 3,5, mais là, je suis obligé d'enlever complètement un point, puis je peux pas faire passer ce match-là. Tu peux pas me finir ça sur un roll-up. Non. Déjà que le match veut absolument rien dire, parce qu'après la pause... Edge est en entrevue avec Kayla Braxton, puis elle dit, elle commence carrément en disant, genre, malgré cette défaite, c'est quand même toi qui affronte Roman Reigns, nous disant, gros comme le bras, que ce match-là servait absolument à rien. Et, fait que là, Edge dit, ouais, mais tu sais, là, j'y ai fait sa soumission, fait qu'il va pas bien. Fait que là, non. Je sais que j'ai le dessus sur lui, fait que je suis bien correct. Et ça a fait rire Seth Rollins, qui était derrière et qui est venu interrompre Edge pour lui dire qu'il va être son plus grand fan, car il veut absolument que Edge l'emporte parce que il veut casher in, parce qu'il veut gagner Money in the Bank, casher mm-hmm. in sur Edge et terminer le travail qu'il avait commencé il y a 7 ans. Il a mis la main, il a mis sur le pied, en tout cas, il voulait y casser le cou, il l'a pas fait il y a 7 ans. Il aurait dû le faire. Mais là, il est game, là. Ouais, il est game, là. Mais c'est ça. Fait que, on se demande bien ce qui va se passer après Money in the Bank, puis vers où ça s'en va. Deuxième segment de la soirée, c'est Sami Zayn qui est sorti et j'ai adoré la réaction de la foule parce que on sait la toune de Sami Zayn est super entraînante. Fait que mm-hmm. ton premier réflexe quand t'entends la toune de Sami Zayn, c'est comme oh. Puis là, tu fais ah oh, non, c'est vrai, il est pas fin. Faut pas que je l'encourage. Maudit, Colin, vous oubliez. Fait 15 mois que j'attends, m'a chanté. Oui. Il est comme non, Royal. Fait que là, les gens étaient comme wouh, puis là, oups, ça, ils ont arrêté. Ah, bou. Alors, Sami qui nous dit ben, tout le monde est bien content du fait que la foule est revenue, mais personne ne nous parle du fait que Sami est exclu de Money in the Bank, que la conspiration dure depuis plus d'un an. Et, mais ce soir, il est heureux parce qu'il y a les fans de son côté. Mm-hmm. Alors, il monte dans le coin, puis là, il dit au monde, « OK, let's go, allez-y. Justice for Sami. » Ça, c'était quand même justice bon, là. For... Et là, ben c'était quand même, parce que les gens étaient comme, « Justice for Sami. » Puis ils ont réalisé, « Ah oui, c'est vrai, on peut pas ça. » Il est fait quand même efficace. Même Sami. Même Sami, un moment donné, t'es comme, « Ah, shit, faut vraiment que... » Non, arrêtez ça, là. Ouais, non, Royal. C'est pas bon. Je suis heal. C'est pas supposé fonctionner, tout ça. Il est ben trop bon. T'as juste le goût de l'aimer. Ben, c'est ça, tu sais. Parce que, il est bon, Sami. C'est ça, l'affaire. Il est tellement... Ben oui. Puis c'était bon dans le micro, pis tout. En tout cas. Fait que là, il dit, « Bon, ben, vous êtes pas bon. Vous êtes des maudits Texans, pis tout. » Fait que là, il dit, « C'est pas grave. J'ai quand même besoin de justice. Et la seule justice, ce serait que... Je reçoive la valise, que la valise me tombe dans les mains, puis que je la prenne, puis que c'est à moi, puis tout. Puis là, ben, naturellement, Finn Balor fait son entrée, son grand retour de NXT, Finn Balor, pour venir interrompre Sami Zayn. Comme le bel homme. L'homme aux 10 abdominaux, selon Pat McAfee. Ouais. Mais je suis sûr que c'est plus que ça, moi. Une note cachée. On prend les paris. Alors, Sami, lui, il souhaite la bienvenue, un bon retour, mais c'est tout de suite pour l'attaquer, mais ça marche pas. Puis finalement, Finn termine l'attaque avec son coup de grâce. Ben, c'est ça. Eh ouais, mais tabarnouche, là. C'est un tabarnouche de coup de grâce, ça. L'autre, il avait mal. Aïe, il a la foule. Il a comme, hé, là, on aime plus Sami que Finn, pareil. Mais, wouhou! Vive! Les deux égales. Ouais. C'est ça. Ouais. Puis une chance, t'es revenu, Finn. Ouais. Sami, là, mettez-moi ça face, là. Citronnade, là. Ben, d'un, après tout ce temps. Et, ben, c'est ça. Je veux dire. Moi, je vais donner un truc, là. Mettez Kevin heal, puis mettez Sami face. Ben oui. Ça, ben, ouais. Genre, de un. Puis après ça, ben, hey, gros retour de Finn Balor après. Là, ça faisait combien de temps? 2 ans maintenant? 2 ans. Presque plus. Je sais plus, là. Ça fait combien de temps que Finn Balor était à NXT? Ça faisait un bout, quand même. Ouais, je vais faire mes recherches. Ben, c'est ça. Il est revenu... Je fais des recherches. Ouais. Ben, il est revenu pour ça. Ouais, j'imagine que c'était bon. J'imagine que c'était... Ben, non. Ouais. Non! Non! Finn Balor revient, puis c'est pour ça. Là, faisons la comparaison avec qu'est-ce qui est arrivé à Raw quand ils ont sorti le titre universel, puis c'est Finn Balor qui l'avait gagné.
Des pommes et des oranges. Des pommes et des oranges. Il est retourné en 2019 à NXT. Bon. Fait que ça fait pratiquement 2 ans-ish. Oui, ish. Ish. Ouais, il était juste avant Noël, le 18 décembre, qu'il est revenu. Que, ben, bravo. Hein? Bravo, Finn. Ça avait fait quasiment 2 ans. Oui. Ben là, c'est ça. Fait que là, c'est Finn Balor contre Sami Zayn. Dimanche? Ouais. Non, pas dimanche. Ben non, oh, ça va être un mané quand on ne saura pas. Oh, peut-être, mais c'est loin encore. Hein. Peut-être que ça va être la semaine prochaine à Miami, au Festival Hip-Hop. Peut-être, mais là, ça veut dire que Sami, dans le fond, il est comme, je veux avoir ma ceinture intercontinentale du gars là, qui vend des accents qui n'existent pas, qui sont vraiment blessants pour les personnes qui essaient d'imiter sans jamais les avoir rencontrés. Puis là, il a pas de title shot finalement, puis il va dire, je vais y aller pour 8 matchs consécutifs contre, contre Finn Balor jusqu'à SummerSlam. Ouais. Mais là, Apollo, lui, il n'y a plus personne. Ben non, parce que, disons, la ceinture intercontinentale, c'est l'équivalent de la 24-7. On s'en fout, c'est pas... Ouais, c'est pas grave, là, il est même pas sur le show, puis... Ouais, ben il a fait une promo. Ouais, il a fait une promo, mais une chance qu'il a fait une promo, hein, parce que sinon, Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Il m'ennuie de Apollo, commandant ouais, Aziz. Ben oui. Commandant Aziz, il était là avant, pas Money in the Bank, c'est l'autre, Hell in the Cell, il avait brisé la gorge. Oui, c'est un briseur de gorge, quand même. Depuis toujours. Ben oui. Plus de gorge tous les semaines. Pas payé au nombre de gorges. Non, c'est ça. Puis le soigneur, c'est difficile. Puis tout ça qui arrête à maintenant. Il faut pas. Ouais, alors, t'as mis ça dans la colonne des actifs, Guillaume? Pas le choix. Ah, ben c'est bon, mais parce que pas moi. Bon. Moi, pas du tout. Pas capable. Je peux pas. Tes attentes sont trop hautes, Benny. C'est ça qui arrive. Mais je le sais. Parce qu'aujourd'hui, je m'attendais à ce que. Ah! Là, les surprises, ça va être le fun. Les surprises, ça va être... on va être... Le toit va lever à chaque affaire. Les gens vont capoter sur chaque personne. Tout le monde va être... tout le monde va être over. Il n'y a pas personne qui va faire une entrée puis qu'on va dire, coudonc, si le monde savent-tu c'est qui, puis que les criquets vont... Il n'y a personne à qui ça va arriver. Shotzi Blackheart! Shotzi Blackheart, qui est plus Shotzi Blackheart, juste Shotzi, avec Tegan Nox, qui est plus Tegan Nox, qui est juste Nox. Donc, Shotzi et Nox, qui font leur entrée avec un tank, toute la patente. Hey, si on avait un bruit de criquet, là. J'en ai-tu? Non, j'ai pas de bruit de criquet. God. Moi, j'étais comme, hey, tout le monde. Houston. C'est... Shotzi. Tegan. Hey, rien. Et là, ben, on s'est dit, Tamina, Natalia, vous vous souvenez le pop qu'il y avait eu à WrestleMania? Tout le monde était tellement content pour eux autres. Mm. Ah oui, let's go. Colin. Les gens, c'est non. À Houston, Tamina, Natalia, ouf. Oh là là. Alors, pour agrémenter notre plaisir à voir ce match qu'on avait vu la semaine dernière, ne l'oublions pas. Zelina Vega et Liv Morgan aux commentaires, et ça m'a te dire que c'était de toute beauté. Deux femmes qui s'ostinent en bébé lala pendant 5 minutes, pendant que 4 autres femmes essaient de lutter. Ça te rappelait-tu la maison? Hein? quand même. Moi, souvent, à un moment donné, je leur dis, là, c'est assez, OK, wow, on se calme, doucement, un instant, fais attention, wow. Ça ressemblait à ça. Pour vrai, c'était comme... Puis là, vous pensez que je me moque de ce... Non, c'était littéralement les paroles qu'ils avaient. Moi, je pensais que j'étais dans le Money in the Bank. T'es comme, oh mon Dieu, arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. À un moment donné, pendant que Knox faisait un Shining Wizard à Natalia, finalement, Liv Morgan et Zelina Vega ont compris que, ouais, c'est vrai que c'est des lutteuses, là, on peut arrêter. Alors, elles commençaient à se battre à l'extérieur et qui dit à l'extérieur dit distraction. Et qui dit distraction? Come on, Guillaume, c'est ton cue. Roll up! Le deuxième de la soirée. Tegan Nox qui réussit le roll up sur Natalia pour remporter ce match qui signifie que finalement, elles auront éventuellement une chance au titre. Donc, ça serait pas que ça marche de même à la boxe. Comment je peux avoir la ceinture? Faut que tu battes deux fois le champion. Pion. Puis right. Là, t'as une chance au titre. T'as mal dit aspirant champion. C'est ça que t'as dit. Tu l'as mal dit.
C'est three. C'est three times. Three times the champ. C'est, faut que là, tu sais, il faut que tu battes. Là, mettons, ils battent les champions, t'es comme, ben oui, c'est ça. C'est des astuces pas bonnes, mais deux semaines, vous les battez. Ben oui. Puis mettons, là, mettons qu'ils perdent, là. C'est quand même 2-1 dans la série, là. Puis ils ont gagné. Cling, cling, cling. Là. C'est pas cling, de tricherie, cling. Rien, là. Cling, parce que Natalia et Tamina sont face, ben. C'est pas trop clair, là. Non, c'est pas trop clair. Mais faut pas oublier qu'elles ont des aspirantes numéro 1 aussi. Il y a Six qui nous dit « Roll up, super saillant ». Ouais, c'est ça, ouais. Mais non, mais c'est ça, faut pas oublier, Natalia et Tamina, elles ont des aspirantes numéro 1 aussi à Raw. Hein? Faut pas l'oublier. Hein? Dana Brooke et Mend... Oh, ben non. Non, mais elle est partie. Ah non, ne plus. Ne plus. Oh, ne plus. Ne plus. C'est vrai qu'il y a plus personne. Parce qu'il y a eu une non, mais le Rayon Squat. Ah non, c'est vrai, le Rayon Squat. Non, non, ben non, il n'y a plus ça. Ça. Il n'y a plus. Il n'y a plus Lana, Naomi, tout ça, c'est fini. Il n'y a plus d'équipe, dans le fond. Ben non. C'est ça qu'on a appris cette semaine. Toutes les équipes de WrestleMania, il ne reste que. Dans le Gauntlet match, là, il ne reste que Tamina et Natalia. Ah, ben c'est bon. C'est bon. Ben, ils ont gagné. Fait qu'en même temps, ils méritent de rester. Bon, c'est vrai. Et là, ben, finalement, après le combat, les Tamina et Natalia étaient fâchés. Ils ont attaqué Zelina et Liv Morgan. Mais finalement, au bout de tout ça, puis du brouhaha, Liv Morgan a réussi à attaquer Natalia dans le ring. Et là, elle a testé la foule. Elle a pointé la valise. Elle a pointé la valise. Très important. Ça. Maintenant, on pointait WrestleMania. Maintenant, on pointe la valise. C'est ça. Là, ça, c'est brillant. Ça, c'est brillant, par exemple. Parce que là, tu vois, elle n'a pas monté pour dire, genre, « Ah, je vais aller. » Non, 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 non. Elle a juste pointé. Elle a fait les trucs la semaine passée. Elle a pointé la valise. Là, elle a pointé. Elle a descendu son bras. Puis il y a quelqu'un qui dit, « Hey, pointe encore! » On n'a pas reculé la caméra. Puis là, on recule la caméra. Donc, c'était bon, là. Fallait être un fin observateur. Mais il y a clairement quelqu'un qui a dit, « Là, pointe plus! » Point de plus, c'est important. De plus. Mon bras peut pas monter plus que ça. Parce que c'était bon, là. Deux matchs, deux roll-ups. C'était, yeah, right. C'était très bon, très bon, très bon. Alors, j'ai donné un beau 2$ sur 5 à ce match. Toi, Guillaume, qu'est-ce que tu donnes? J'ai là, 2$ sur 5. Ouais. Passif, passif, passif. Ah, prochain match pour poursuivre dans... Il y a un gars qui nous dit « J'ai hâte de voir Nikki H dans le Money in the Bank. J'ai assez hâte qu'elle monte sur la dernière marche puis qu'elle pense qu'elle peut voler. » Mais là, elle volera pas, elle va tomber, c'est une niaiseuse. Parce que ça va être bon, on va rire, là. Il l'a l'air, je l'aurais dit ce soir. Quoi qu'en même temps, peut-être si Alexa, il fait de la magie puis qu'elle a fait... En tout cas, je veux pas aller là, je veux pas aller là. Je veux pas aller là. Bon, vas-y pas. Bianca Belair qui affronte Carmella. Et là, c'est pour le titre féminin. Mm-hmm. Carmella qui remplace Bayley. Donc, qui s'est fait remplacer elle-même dans le match Money in the Bank. Et ce match-là, pas assez bon pour Money in the Bank. Alors, on met ça à SmackDown. Parce que la foule va être... Ouais. C'était supposé au début entre Bianca et Bayley. Mais là, une fois qu'ils ont changé le match, ils ont dit non, là, Carmella, faut pas exagérer non plus. On va mettre ça à SmackDown, hein? Faut pas trop. Et ben. Ça serait bon que ce soit ça. Calmez-vous, les boys. Faut pas exagérer non plus. Non, le niveau. Ça va être vendredi. C'est ça. C'est pas trop. On va le grunker dans le métal. Ils vont aimer ça pareil. Les gens vont aimer ça. Eh bien, ouf. Point positif. Là, faut être positif un peu. Je vais être positif. On a réussi à trouver une manière de faire en sorte que Carmella ait l'air correct dans ses ombres chinoises. Parce que. On se souvient que son ombre chinoise, mettons que ça ne la mettait pas en valeur, en tout cas, c'est mon opinion à moi. Là, c'était bien réussi, il y avait comme une espèce d'écran blanc en arrière, fait que là, on la voyait comme... Mm-hmm. C'était pas tout à fait de l'ombre chinoise, mais c'était mieux réussi comme entrée, mettons, disons ça comme ça. Ben, elle a fait son entrée sous les nombreux criquets. Oh là là, les gens... Hey, les gens, là, ils s'en foutaient, là, mais time. J'ai eu peur, parce que je me suis dit, oh mon Dieu, si c'est ça la réaction pour Carmella, qu'est-ce qui attend Bianca Belair? Est-ce qu'ils vont tout savoir c'est qui, coudonc? Mais, soyons sans crainte, ouf, les gens étaient contents de voir Bianca Belair, et le EST, c'est over, c'est correct. Ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Ça marche. Ouf, ouf, hey, mais... ouf.
J'ai eu peur, j'ai eu peur. Ce match-là, là, les gens, là, ils étaient comme... Il y a une première site! Comment-tu? Elle a un Instagram, elle, la Madame en rouge! Je vais aller chercher son Instagram, on va le checker. Ouais, on va aller, tout le long, ouais. Il y avait des messieurs, tu sais, l'époque des 24 pauses est révolue, mais maintenant, scroller d'Instagram à l'infini, l'équivalent du 24 pauses. T'as vu, j'ai des messieurs premières rangées, faisaient... Beaucoup de gens sur mes cellulaires. All right, plage. All right, au restaurant. All right, encore la plage. Je vais docker à la plage. Oui. Je m'abonne. Oh, Corey Grave, qu'est-ce que c'est ça? Corey Grave. C'était pas mal ça, c'était match. C'était comme... Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, il y a Benny qui raconte le combat. C'est ça qui s'est passé. Il y a le gars Carmella qui a quand même... étonnamment, Carmella a quand même dominé une bonne partie du match en rentrant d'abord Bianca dans le poteau du ring avec sa couette. Naturellement, la couette, encore une fois... Un match de Bianca Belair, c'est synonyme qu'il y a une strap qui est un fouet, qui est tout et qui sert toujours à l'adversaire de Bianca Belair. Mais Bianca a repris un peu le dessus durant la pause, mais on ne l'a pas vu. Mais ça a été de courte durée. Carmella a repris rapidement avec un Hurricane Rana de la troisième corde. Bien fait, pour un compte de deux. Ensuite, moment qui m'a vraiment étonné, Carmella qui a utilisé la guillotine de Roman Reigns. Et ça, moi, ça me fascine. Vite, Lana avait dit qu'elle n'était pas passée une dixième fois au travers de la table à Survivor Series parce que Roman n'était pas content qu'il y ait un spot, un autre spot de table avant son match à lui. Et là, Carmella fait la guillotine. Moi, je suis comme, tes priorités, mais je suis pas d'accord. J'avais déjà critiqué à l'époque la guillotine de Roman Reigns, mais j'aurais pas dû parce que là, je viens de voir ça de Carmella. Pis taparouette force au moins quand t'as fait là. C'est pas pour que je te domine les airs. Oui, mais elle se tient finalement comme un petit singe. Par exemple, Pat McAfee connaît ses affaires, le petit Pat. Parce qu'il a écouté le combat de McGregor, puis McGregor a fait une nastifie de guillotine de vidange qui a fait qu'il s'est fait casser la cheville, puis qu'il s'est fait tabasser dans la face pendant deux minutes. Ce qu'il a fait, c'est la même affaire quand McGregor a fait comme caméra. Une guillotine de même sans forcer. Alright. Oui, c'était bizarre. Là, c'était le c'est même. Ouais. Tu tombes tranquillement. C'est ça, exact. Là, tu perds le combat. Ben oui, ça marche très bien. J'ai bien aimé. Mais là, Bianca l'a soulevé en souplesse, démontrant toute sa force. Elle est revenue. C'est beau, ça, quand même. C'est un beau moment, ça, pour montrer qu'elle est forte, tombée sans connaissance, mais revenue, pouf, l'a levée dans les airs, puis pouf. C'est vrai. Donc, après, ben là, Bianca a tenté un premier coup de fouette, alors que. Notre chère Carmella était à côté dans les marches, ça a raté. On est revenu dans le ring. Finalement, Carmella a tiré sa couette à Bianca, puis là, ça, c'est un no-no. Tu ne fais pas ça. Elle a tiré sa couette, a tenté un super kick, ça a raté. Et là, Bianca Belair est arrivée avec le coup de fouette, drette dans les côtes. Ce qui est l'affaire qui doit faire le plus mal au monde, parce qu'on les sent souffrir. Ça a permis le KOD, son Kiss of Death, pour la victoire. Elle garde donc son titre et, ben, pas de surprise, pas d'apparition surprise après le match. Ça s'est terminé comme ça. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Guillaume? Ben, je l'ai pas trouvé tant mauvais que ça. Je l'ai pas trouvé tant bon non plus. C'est que je pensais tellement que ça a été de la grosse merde. C'est sûr que le match était quand même intéressant. Quand tu regardes, par exemple, niveau booking puis qui est fake puis ça, t'es comme... OK, là, ta championne s'est fait sacrer une volée par la dernière dans la hiérarchie qui a eu comme son title shot parce que l'autre s'est blessé. Et là, elle se fait massacrer puis elle gagne en trichant. Tu sais, c'est pas triché, mais c'est pas loin, bizarre. Puis, elle est là, son personnage, c'est « Faut travailler plus que les autres. Quand tu y crois, je suis la plus forte. Mais pour gagner, je crée des astis de coups de fouette dans le chest du monde pour tricher. Puis ça, je gagne. All right. » Ouais. Même contre Bayley, elle avait gagné grâce à sa couette aussi. Roll-up de sa couette. Puis tout. Puis là, t'as les championnes par équipe que les autres, ils ont l'air de deux espèces de grosses nouilles qui perdent toujours par roll-up, par deux nouvelles qui perdent leur nom à toutes les semaines. Ils perdent une moitié de leur personnalité à chaque semaine. Oui. Mais par exemple, Carmella qui arrive out of nowhere, elle, boucle la forme, mon chum. Faut qu'elle ait l'air forte. Ça, c'est important. C'est très important, ça. C'était pas mal ça, l'histoire du match. Je donne un 3$ sur 5. Hey, 3$ sur 5, moi aussi. Let's go. Mais passif. Mais passif, exactement. Malheureusement, tu sais, pour tout. C'est le synonyme de la division féminine aussi qui. Quand on a. Je ne vais pas faire des comparaisons,
On fait pas ça des comparaisons, c'est pas fin de faire des comparaisons. Mais quand t'as des promos à la Britt Baker à l'autre poste, fait mal un peu la division féminine de Raw. Ouais, et Britt Baker, on s'entend que niveau lutte, là, c'est pas du 10 sur 10, mais niveau promo, 10 non, sur 10. Non, mais c'est ça. Le but, c'est d'être entertained, puis ouais, t'es pas à la même place, mettons. Oh, ouais, t'es des valises le vendredi, plus petit que faire des promos, ça accroche le mercredi. Prochain petit segment, on a l'Alpha Academy, toujours présente, toujours aussi hideuse en la personne d'Otis et de Gable, mais surtout Otis, hein, faut pas... Ah, il est épouvantable. Oui, à qui on peut donner tout de suite une contravention de style, hein, parce que, oh, il est... C'est épouvantable. Je le déteste, mais il fait mal à ma main. Son saut est... Ouais, c'est... Je vais mettre un peu de Seth Rollins à l'écran et me remettre dedans, là. All right. Ça, c'est beau. All right, Ah oui, ça, c'est savoir s'habiller pour un vendredi soir. C'est le drapeau américain, en plus. C'est un sale représentant. Y a-t-il attention au restaurant, c'est sûr, certain. Bon, ça doit pas être facile d'aller avec lui. Lui puis Becky au restaurant, ça doit pas être le fun. Ils doivent juste se outstage de qui fait le plus de bruit. Puis que... Tu penses? Lui qui mange le plus fort. Ça doit. D'après moi, ils sont un peu fous. Ils dérangent tout le monde, mais ils s'en foutent. Ouais, ils s'en foutent. Ah ouais. Prendre cette table à côté. Puis celle-là aussi. D'après moi, même leur petite. Oui. La petite, après moi, elle doit être comme « Hey, s'il vous plaît, là, hein? Pouvez-vous baisser le ton un peu, là? » J'essaie de dormir. I'm the man. Donc, l'Alpha Academy qui veut dominer tout le monde, comme d'habitude. Et Cesaro arrive, parce que Cesaro va se battre contre Otis ce soir. Et il leur dit « Ben non, parce que moi, pas peur de vous autres. » Mais Otis n'est pas content de voir cette interruption de Cesaro. Il sac une bonne... c'est une gauche, une droite, une gauche peut-être. En tout cas, il y en a sac une bonne droite d'inflant. Et Cesaro a tombé... ça n'allait pas bien en coulisses. Ça nous amène à ce match entre Cesaro et Otis. Du gros, gros, gros calibre de match. S'il y a un match à regarder, là, ça a duré une minute et demie peut-être. Otis, il avait le déçu. Cole, à un moment donné, a perdu la tête parce qu'il a donné un coup d'avant-bras. Tu vois que Cole cherchait vraiment... des affaires. Cherchait quelque chose pour... il ne savait plus, là. Pas capable de fermer sa gueule, cet homme-là. C'est ça, son problème. Il n'est pas capable. Mais là, tu sais, pour un coup d'avant-bras, là, pour vrai, à un moment donné, tu fais... crime, qu'est-ce que tu vas être tantôt? Cesaro était poigné dans le coin, s'est tassé pour que Otis aille se rentrer l'épaule. Mm-hmm. Et là, ben, Gable, lui, a pas aimé ça du tout. Donc, il est tout de suite rentré dans le ring pour faire un German suplex. Il n'a pas aimé ça que Otis se cogne l'épaule comme ça. Alors, disqualifié! Disqualification de Otis à cause de l'intervention. Il faut suivre la lignée des roll-ups. Hein. Donc, là, en même temps, on comprend pourquoi que Gable est allé se faire, faire la disqualification pour Otis. C'est parce qu'il fallait faire des swings pour la foule. Alors, Cesaro a swingé Gable, a swing et a swing et a swing et a swing, mais Otis est revenu pour terminer l'hélicoptère et faire son splash du coin. Il n'en a fait qu'un seul, parce que deux splashs, tu t'en vas à l'hôpital pour des semaines. Oh oui. Alors, un seul splash de la part d'Otis. Mais beaucoup de swing, par contre. Beaucoup de swing. Mais, par contre, on a l'air de chialer depuis le début, là, légèrement. Là. Non, mais ce soir, en tant que nouveau SmackDown... Il n'y avait pas de chicane au micro qui concluait un match tout de suite après. Ça, c'est rare, ça, qu'il n'y avait pas un arbitre sur le gun pour émettre un match tout de suite. Là. C'est vrai. Il y a des points positifs. Là. Peut-être qu'on va arrêter. Calisse! Tout à fait, ça, t'as perdu! Il y a des enfants qui nous écoutent à cette heure-ci. Là. On n'est pas à 23h15. Là. Hey, on est en vacances, c'est l'été. Là. Aïe, j'irai voir, ça me gosse. Ouais. Maudit chicane. Il n'y avait pas de chicane aujourd'hui. Fait que je chante pour rien. Il n'y avait pas. Ça me rendait heureux. Parce que Baron en faillite. Ouais, ben il y a eu ça. Ben, oui, c'est ça. Là, tu es allé trop vite parce que là, tu l'as jinxé. Parce que si dans une soirée où tu dis, oh là, ça va être sûrement un bon moment pour faire des promos, faire réagir la foule, puis tout ça, on a décidé de se tenir très loin, très très loin de ça. Alors, je sais pas, c'est une drôle de stratégie. Quelle note as-tu donné à ce match? Pas de chicane actif, selon Ricky Bobby. Mais ce match-là, Benoît, je pense que... Ouais, je... Honnêtement, je ne l'ai pas vu. Mais tu m'en parles, là, puis je suis prêt à donner 1$ sur ça. Oui! Bravo! On rock la note. Ah ouais, donc! Ah ouais, donc!
monte le niveau. Ça fait du bien, ça. Ça fait du bien, je trouve. Ben oui. Ça met un dollar en simultané. Autre petit moment qui a fait du bien, c'est Paul Heyman qui est en entrevue avec Caleb Braxton pour nous dire que Edge a péché et il va répondre de ses péchés à Money in the Bank parce que Roman, c'est le Seigneur et il va le faire payer tous ses péchés. Mais là, wow! Biggie est arrivé et Biggie a interrompu Paul Heyman. Semé une petite semence dans nos esprits. Pour dire, ah, qu'est-ce que Biggie? Alors, Biggie était très crampé. Ah, et, j'existe encore, je suis encore sous contrat. Je vous oh oui! Je suis là ce soir! Et là, ben, il y a un peu ri de Paul Heyman disant, ah, ton client, je ne sais pas s'il l'appelait client, mais en tout cas, ton Roman, là, ah, il s'est fait pogner par Edge, puis il est soumis, puis il a tapé. Je le rappelle à la foule qui est trop cave pour s'en rendre compte. Fait que on souligne en caractère gros ce qui s'est passé quand vous êtes tous des innocents. Ben, ça faisait quand même une heure, là. C'est le genre d'affaire que t'avais oublié. Hein? Ouais. Ben, moi, c'est deux semaines. Une heure, je m'en rappelle. Pour vrai? Sauf le gars. C'était pour le gars tantôt sur Instagram. Ouais, les photos à la piscine. J'ai manqué ça, moi, tantôt. Ah, merci, Paul. Ben oui. Il a peut-être oublié tout ça. On sait pas. Faut pas en tout cas. Bon, on passe au prochain segment, parce que là, c'est notre moment. Moi, c'est mon moment chouchou, hein, à chaque semaine. Il n'y a pas de musique. Il se passe rien. Il n'y a plus moyen. Il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus. Tu peux plus. Je veux dire, ça coûte. Moi, d'autres, on ne savait pas ça. Tu savais tout ça, on n'avait pas ça. On a appris ça, c'est ça, avec Baron. Tu perds ta couronne, tu perds tout. C'est même que le vieux dicton, il est vrai. Je ne savais pas que c'était vrai. J'en ai déjà entendu parler, mais je ne savais pas que c'était vrai à ce point-là. Puis que, comme vous l'avez dit cette semaine au sujet libré, ben Christy, il faut que tu payes pour avoir une toune. T'as tes droits, là, à chaque fois que ta toune joue, faut que tu payes, là, c'est pas une affaire de... Mais non, les droits, là, Baron a fait son entrée, et oui, pas de rien, pas de flat. Et, ben là, il a passé toute la pause de même, ça devait être une pause assez... C'est vrai, hein? 4 minutes et demie. Ça devait être malade d'être là sur place, voir un gars décrisser en plein milieu du ring, te tenir debout puis attendre. Ça devait être quelque chose. Ça, j'aurais payé pour être là. Ah, là, pas mal, le gars, il est retourné sur son Instagram, right? Quand il avec un gars de suicide. Ah, alors Corbin nous a appris bien des affaires. D'abord, qu'il a tout perdu. Il a été victime du What Chant, le premier victime. Si. Ça, là, crise de tabarnak. Il y a eu ça, toi, dans la mètre. Il y a des enfants qui écoutent. Wow, mais qui mangent la merde. On n'est pas sur Patreon. Les oreilles de vos enfants. Hey, les hosties de raisin. C'est comme t'es choyé. Il y a 1 million de personnes devraient être à ta place. Ça va avoir un show tout live. Un des plus gros. Il y a eu ça, dans la mètre. Là, on parle de SmackDown. On va foxer. Il y a 14 000 personnes qui peuvent être là. Surtout, t'es supposé être content. Ça t'a coûté une fortune, Chris de raisin. Il n'y a pas un billet à 10$ là-dedans. Là, t'es comme. Oui. Ah, non, fuck you. Je ramène le pire chant de toute l'histoire. What? All right, mais en même temps, des coups de son genre, mastiche coquin, Chris, l'autre gars. Ça, c'est à cause des segments de merde avant. Il y a du monde qui sont mis un peu chaud, là. C'est leur faute, oui, là, Chris, de chaud de cul, là. Puis là, du monde qui sont mis chaud, puis il a fait What? Oh ouais, on est rendu plus que trois. Il continue, Yes. Tabarnak. Puis là, le gars, il pompe des sons. Je peux pas y couvrir. Non, il est impossible. C'est impossible. Un gars décrit ça, il fait des what? Corbin s'en est sorti en nous rendant extrêmement mal à l'aise, c'est-à-dire en disant que sa fille de 2 ans doit maintenant manger des spaghettis dans la boîte. Parce What? Que là, elle peut plus. Mais non, mais t'as senti que le monde a comme fait « Oh, là, on est rendu là. » Hey, le 7 août, là, on va être à NSPW, puis s'il y a un esti qui dit « Ouais, là, moi, t'as le souillé blindside, là. » J'espère qu'il est plus petit que moi et qu'il sait pas se battre, là, sinon on va en manger une crisse, là, mais je suis prêt à le faire. Ah, c'est pas grave, on va te défendre, on va te mettre en boule, puis on va te jeter à terre, puis on va dire « Oh non, il est correct, il est pas... Il... » Bon. Donc là, il y a beaucoup de problèmes, parce qu'il peut plus faire, la maison est en désordre, il est obligé de congédier tout le monde. Ah, c'est épouvantable, regarde ça, c'est épouvantable, la tête, plus moyen de s'acheter un rasoir. Il se rase même plus, ça va, Benny, je te dis, j'aime un peu ça. Ben oui, mais c'est ça qui était le fun, moi je trouve que c'est le fun de voir un gars de même tomber en pleine dépression, et... la seule affaire que j'ai pas aimé, c'est que malgré le fait qu'il soit comme complètement dépressif, il est pas capable de s'empêcher d'être arrogant, puis de nous dire des niaiseries d'arrogant. Puis là, t'es comme, ben non, change. C'est le moment, là.
Tombe dans la dépression. Laisse-toi aller, Baron. Ah, ça a bien été pour un autre gars le mercredi soir, là, tomber dans la dépression, dans la bière. Exactement. Laisse-toi aller dans la dépression. Tombe, prends de l'alcool. Commence à servir de l'alcool aux gens. Les gens vont t'adorer. Mais non, sniff les antidépresseurs, Baron. C'est pas là que ça passe, la rédemption. C'est facile. Ça va plus vite, ça a l'air. J'ai vu ça sur Internet. Faites pas ça, Baron. Faites-le pas, là. C'est juste des professionnels, c'est du cinéma. Là. C'est du cinéma. Faites pas ça. Bon, donc là, il dit qu'il n'y a plus d'argent, mais il a trouvé une solution. C'est de se partir un genre de GoFundMe, qui est un Corbin Fund. Donc, c'est un site internet. Il nous montre un site web un peu boboche de Corbin Fund. Et ben, son objectif, c'est de recevoir 100 000 $. Et ben c'est ça. Les gens sont comme ouf. Et ben Kevin Owens arrive pour interrompre le tout. Alors, on est semi-content parce qu'on est content que le segment soit interrompu. Ben, ça dépend. Mmh. Ça dépend. Moi, je suis content. Je veux que ça continue. Je veux que la semaine prochaine, il vole du gaz en le siphonnant. Ouais, genre, c'est ça. Je sais pas, chez ça. Kevin Owens, qu'il vole du gaz, par que ça. Même pas une canisse, c'est vraiment juste un seau. Puis il part, puis il essaie de remplir son vieille crise de B-Wiz, de vidange. Puis qu'il s'en va, mi, parce qu'il n'y aura plus de moto, il y a juste un scooter. Ouais, ou juste de le voir, mettons, en vélo, tout trouillé, puis là, il essaie de pédaler, puis se rendre jusqu'à l'aréna, puis ça marche pas, puis tout ça, c'est des beaux segments le fun. Ah, puis qu'il trouve du positif là-dedans, tu sais, je me mets en forme, ben, l'aréna, je vois plus, sa rédemption continue, commence. C'est ça, là, ça y c'est va, ça. Puis là, il passe à côté d'un char, puis le char, il envoie plein de boîtes dessus, puis là, c'est drôle. Ah, j'aimerais ça. Eh oui, mais qu'est-ce que tu veux? Des coupons c'est... de burger, qui se bourrent de burger, puis Otis, fais pas ça. Non. Ou il va, Otis, il vole son lunch, puis t'as le plante en même temps. Ah, tu sais, des beaux moments, il y a plein de. Tout est voler ouvert. Voler du gaz, c'est numéro un, je pense. Voler du gaz, oui, ça va. Oui, ben oui. Le vélo, c'est celui que je suis prêt à le prendre. Non, mais ben magané, là. Après, ben c'est qu'il dit non, mais les gars, je vais me reprendre, je suis rendu acteur, puis je suis juste figurant, pas payé partout. Oui. Ce serait bon, ça. Mais ben, aller loin avec ça. On le dit depuis des semaines, par exemple, si là, il arrivait avec des drinks, puis là, il commençait à servir de la boisson autour du ring pour se faire de l'argent, puis qu'à la fin, là, quelqu'un, il s'en vienne, puis qu'il crisse une claque, pouf, puis là, tout son argent part, puis il dit « Ah, maudit, t'as obligé de tout recommencer, j'ai pas une set. » Hey, là, on aurait du plaisir en tabarnouche avec lui. Qui vole la moto de Jinder Mahal. Oui, c'est ça. Puis, oh, Colin, maudit. Puis là, t'as une bébelle de Corbin le dépressif. Ah, ça, là. Ouais. Il en vendrait du stock. Il y a du stock choc à faire. C'est ça. Mais là, c'est juste Kevin Owens qui est venu pour l'interrompre. Et là, ben, Baron, il dit « Ah, ben, je suis sûr que t'es là pour m'aider. Parce que, de toute façon, toi, tu dois avoir bien de l'argent de côté vu que tu t'habilles tellement mal. » C'est comme Corbin. Si t'es habillé tout proche comme la chaîne d'argent. Mais comment... les vieux réflexes qui reviennent, tu sais comment que c'est. Je le sais, mais Colin. C'est comme le pays qui est eux. Et comme donne-moi 5$, il donne 5$, fuck you. Là, oui, exact. Merci, je suis riche. Je suis plus riche que toi. Tu sais, comme tu lui donnes 5$ puis il fait « Mon père est riche en tabarnane. » Fait que là, ben... c'est merci KO, ton 2$, mais ta femme est laide. Mais là, pourquoi tu me dis ça? C'est bien pas gentil. Fait que là, KO a été tanné. J'ai tenu un roi, moi. Mais oui, j'étais roi, moi. Ah, c'est que je suis un itinérant qui dit qu'il était déjà un roi. Fait que sa preuve, c'est lui qui a une couronne sur la tête. C'était à moi, ça. C'était à moi. C'est l'autre gars, mais il l'a volé. Regarde, il passe like mon Jeep. C'était mon Jeep. C'était à moi, ça. Fuck you. C'est que sa couronne. Maudite affaire. Je comprends même pas que sa femme est encore avec Baron. Moi, honnêtement. Tu vois, on en parle, puis j'embarque 100% actif. Je le sais. Pour ça, je te dis, moi, j'étais. Colin. Moi, je trouve qu'il y a du potentiel en tabarouette à faire avec ça, mais pas de la manière que c'est parti. Ah, le site de Corbin Found existe pour de vrai. Ben oui. ils l'ont fait pour vrai, là. Mais moi, ça en tout cas, on fera pas le processus pour essayer de trouver comment que l'argent se rend. J'espère qu'ils pogneront pas du monde à ces tweets pour aller donner de l'argent à ça. Ça doit être une fondation, là. Oui, mais en même temps, ouais. En tout cas, j'espère. Tu penses qu'il y a du monde qui donne vraiment. C'est sûr que oui, ça arrive. Je veux pas qu'on fasse les chauvins, là, mais au Québec, là, il y a beaucoup de personnes qui écrivaient aux filles dans la prison de... Unité 9. Quoi l'émission, là? Unité 9, ouais. Beaucoup de femmes puis d'hommes écrivaient aux prisonnières pour leur dire « Ah, lâchez pas, vous passez, puis vous allez revenir, puis inquiétez-vous pas, vous allez revenir dans la société. » C'est quoi qu'on dit ça, mais non, mais j'ai mon point, deux c'est lettres, Benny, à moi, arrête d'en parler à chaque semaine, là. Je sais, mais moi, ce que je veux dire, c'est faites attention.
C'est ça. Faut faire attention. Deux lettres, puis il en parle encore à soir. Jamais, je vais me confier. Je le sais, mais Colin. Hein, Guylaine. Guylaine Tremblay, elle est pas facile. En tout cas, facile. Donc, c'est la table. C'est, ça nous met la table. Veux-tu rajouter quelque chose? Actif. On a trop parlé. Actif. Tout est bon. Non, mais ouais. Ce qu'on a vu, moi, j'ai mis ça dans le passif. Mais ce qu'on pourrait faire, ça, c'est très actif. Ça nous a mis la table naturellement parce que Kevin Owens avait son match. Alors, Big E est sorti. Alors, une fois que KO et Big E ont fait leur entrée pour leur four-way, donc tous les participants de SmackDown à Money in the Bank qui s'affrontent un peu à la même manière que ce qu'on avait vu à Raw cette semaine, parce qu'on est super original, vous le savez. Eh bien, c'est le moment qu'on attendait tous. Enfin, l'entrée de Nakamura avec Rick Boogs. Et personne n'avait dit à Rick Boogs que quand tu fais du rock, il y a une règle qu'il faut que tu fasses, et c'est faire « Hello Houston ». Il n'a pas fait ça. Il a fait « Rick Boogs ». Puis là, t'as fait « Non, Rick ». C'est différent. Colin, Rick. Mais tu voyais qu'il était trop nerveux. Il était ben trop nerveux, Rick Boogs. Il a eu des bien meilleures performances que la performance de ce soir. On peut pas donner d'argent sur le site du co-fondement de Garbin. M'en voilà rassuré. Ça dit que c'est en construction. Merci, on a des insiders. Sciatics et Gab sont sur le gun pour nous autres. Bravo, merci beaucoup les boys. Donc, l'entrée de Nakamura, c'était correct. C'était pas l'entrée... Même Pat McAfee était sûr que ça allait être l'entrée du siècle. Ça a été une entrée correcte, le fun. Les gens pouvaient enfin rechanter la tune de Nakamura. En tête, c'est Pat McAfee, là, le salaud. Ouais, ouais, tu l'aimes bien, Pat. Te lèves-tu debout pour regarder SmackDown? J'aime ça. C'est au podcast, il fait debout, puis il est tout le temps debout à SmackDown. Il se ramasse souvent debout. Puis même Michael Cole, là, il fait exprès, puis lui aussi, il se lève debout. Ah, c'est-tu Ben oui. Suiveux, il est fatigué. Ben oui. Je sais. Madouce a écouté le début de SmackDown avec moi, puis elle a dit « Ah, ben c'est drôle, le show commence, puis ils se mettent debout pour essayer de nous grunquer. » Puis là, j'étais comme « Non, non, non. Ça, c'est juste la gimmick à Pat McAfee de faire le smat. » L'autre, c'est un suiveur. C'est ça, puis l'autre... Alors, on n'avait pas beaucoup de temps pour faire un four-way. M'a dire, je pense qu'on leur a donné 6-7 minutes pour avec une pause. C'est comme, là, les gars, dépêchez-vous, parce que, faut pas manquer. Faudrait pas qu'on dépasse non plus, là. Fuck, ils seront pas contents. Alors, rapidement, il y a eu un big ending sur Nakamura, mais Rollins. Rollins qui a commencé le match en disant « Oh, ben, c'est beau, les boys. On va se voir dimanche. Moi, je m'en vais. » Et là, ben, tout le monde a fait une série de... Biggie a fait un spear. Il est tombé en bas du ring. Après ça, KO a sauté par-dessus. Il est tombé sur Biggie. Après ça, Nakamura est venu faire un coup. Mais c'est tout des faces, il donne un show. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, la raison pour laquelle je ne l'ai pas noté, c'est parce que, pour vrai, la foule était comme « Bon, on s'en va à pause. » Ah, ben non, c'est Colin, ils ont commencé ça. Ah, ben, Colin, il aurait fallu nous le dire, parce que nous autres, on était sûrs qu'ils sont allés à la pause. Alors, ça, la réaction, et quand on est revenu de la pause, m'a dit « Ouh! » Il y a gros monde qui disait « On s'en va-tu au beat de traffic, là? » C'est pas mal ça, leur questionnement. C'est pas mal. C'est pas mal ça. La foule, elle n'entendait plus. Alors, il y a eu Big Ending. Ensuite, Rollins a rentré une échelle dans le ring pour donner un petit coup à Nakamura pour le sortir du ring. Et là, il est sorti à l'extérieur, a placé Nakamura sur la table. Oui, mais c'était un petit... Il y a juste un petit... pour le sortir. C'était une grosse précision. C'est ça. Mais c'était pour rentrer l'échelle dans le ring pour plus tard. Et là, il est monté dans une autre échelle. Et là, KO, le pogné par les culottes, a failli nous montrer son derrière sur la télévision nationale, mais il s'est retenu à la dernière seconde. On veut pas voir le ça. Le Rollins est tombé. Arc! Un fessier 10 sur 10. Et là, KO est monté dans l'échelle. Et là, KO s'est dit « Non, c'est pas vrai que moi, je vais faire un match que le monde va s'endormir. C'est impossible. C'est jamais arrivé de ma vie. » Et ça ne va pas arriver ce soir. De la merde. Je m'en fous de Money in the Bank. Moi, je monte en haut. Alors, il est monté en haut. Il a fait une descente du coude excellente et spectaculaire. Regardez-moi la hauteur. Tout ça. Nakamura, il était rougeâtre après. Là. Il était un oh, Colin, oui, parce Max que... bon de l'épaule. Je vais pas une surprise dimanche. Je vais essayer de là. Parce que là, je pense qu'il est magané. Oui, ça n'a pas fait du bien. Ça n'a vraiment pas fait du bien. Mais il fallait sauver ce match-là. Parce que c'est pas vrai que tu avais ces 4 heures-là dans un match horrible. Non, non, lui, il s'est dit hey, il a tout donné. Il est tombé. C'était assez intense.
La table a explosé. Je te voyais, OK, pourquoi tu fais ça? Parce que le match était plate. Il fallait qu'on sauve ce match-là. Là. Puis là, KO, il a dit non. Pas vrai. Il a dit, toi, tu t'en vas sur la table. Moi, je monte en haut. Je me crisse en bas. Puis c'est pas vrai qu'on va avoir un match plate, que le monde s'emmerde. C'est pas vrai. Not on my watch. Alors, bravo à KO. Oui. Alors, Rollins est revenu dans le ring. Et là, il a pogné Biggie. Il a fait un stomp directement sur l'échelle. Alors, impossible c'est de se relever de ça. Et victoire de Seth Rollins, qui est allé faire la gaffe. Il n'a pas vu Edge. Plutôt. Alors qu'il nous laissait croire qu'il regardait Edge très attentivement. Lui, monté dans l'échelle, a décroché la valise de la même manière que Baron Corbin. Ça, et la fusette amateur de sport, vous avez sûrement tout cassé dans la maison. Là. Au moins un, deux, c'était trois, vous mettrez des posters demain. Vous expliquerez à votre douce, c'est pas de ma faute, la faute de Seth Rollins. Il m'a mis hors de moi. Tu sais, je suis un passionné. Pas tu ne fais pas ça. Mes affaires, je ferais accepter. Là. Mais ça, non. Toucher le Grand Prix avant que ça arrive, voyons donc. Décrocher la valise et tout, puis le faire comme si, tu sais. C'est pas un accident, c'est pas comme la ceinture traînée à terre. Là. Il y a du travail derrière de ça. Il y a feu qui y pense. Chercher une échelle, ah oui, je vais, il va jusqu'au bout de son idée, ça dure 3-4 minutes. Non, ça, là, par exemple, ça erreur. Va trop loin. Grave erreur, alors tenez-le, prenez-le en note pour le pool de dimanche, que j'envoie pas un mettre Seth Rollins. Non. Sinon, je veux dire, vous passez pour quelqu'un qui connaissait vraiment pas ça. Vraiment pas. Voilà, les vrais Seth Rollins. Quelle note as-tu donné à ce match? Je vais donner 3 sur 5. Il faut que ça passe là, pour le gros jump à la fin. Mais... Exactement. On rock la note. Là, vous le voyez pas dans les commentaires. Si tu as encore 30 minutes pour rembourser la révision des comptes, là, Gab, là, ça fera. Là. C'est le retour des foules. Il n'y a pas eu d'équipé de début de show. En plus, on est en mode CJDLM. Il donne une bonne clap de golf au bum du caméraman. Ça, c'est vrai, sur le saut de Kevin Owens, le caméraman est tombé. Il a un peu volé par derrière. Sa caméra. Mais c'était proche quand même. Mais oui, ça a tout explosé autour. C'est même étonnant que McAfee et Michael Cole n'ont pas volé par-dessus la barricade tellement que. Ah ouais, c'est très explosé. Il y a une onde de choc. Pour vrai, je sais pas comment ils vont faire pour. En tout cas, fin de semaine, s'ils veulent faire plus, me dire, ce sera pas. Ça va durer plus que 8 minutes. C'est sûr qu'il va arriver. C'est ça. Ils vont avoir plus que 8 minutes, mais ce sera pas facile. Je pense qu'il y a des rumeurs qui disent que c'est Ray Phoenix qui a buildé le match de vendredi. C'est possible. Faites-en le plus possible. Ça marche tout le temps, ça. Mais bon, tu vois, j'en ai parlé, moi, cette semaine, à cause de Ricochet, qui a fait son. Comment t'appelles ça? Il a fait un Star. Starway, c'est ça. Oui. La patente, là. Je veux le dire le nom, mais je ne l'ai pas, mais en tout cas, il s'est garoché, puis il n'y avait personne. Pis, Star Clash, c'est quoi? Ouais, c'est le... Ah, tu vois. Le Brock Lesnar, là. Il a fait le Brock Lesnar du coin, là, tu sais. Ah oui. Mais, bref. Il faudrait des insiders nous aider, là. Ouais, c'est ça. Quelqu'un va sûrement nous sortir le nom, là. Hein? 3, 2, non. Mais il n'y avait pas de foule. Il fait ça devant personne. Il a passé quand même... Là, j'avais lu Gabriel me dire « Ah, mais oui, mais il est capable. Il est capable de le faire. » Je comprends qu'il est capable de le faire. Mais s'il fallait là, que pour une raison idiote, il rate, il l'a fait devant personne. Au moins, ce soir, le bon côté, même si c'était un peu exagéré, pas mal de faire ça un vendredi quand tu as 10 minutes de match, au moins Kevin Owens l'a fait devant du monde. Ouais, c'est ça. Ça moins, fait popper du monde. Colin, c'est ça. Le monde à Houston, parce que si vous avez vu le Twitter ou peut-être l'Instagram de Kevin Owens, il avait dit... Shooting Star Press. Shooting Star Press, voilà. Donc, il avait dit, Kevin Owens, qu'il voulait créer des souvenirs aux gens de Houston. Ben, il n'a pas menti. Donc, Gab, on va repartir un débat, là. Ça ira sur Patreon, ça, Gab. Là. Pourquoi Jeff Hardy a le droit, mais pas Ricochet, là? Jeff Hardy a failli se tuer lui aussi dans un match où il est tombé à 3 pouces des marches en faisant un swanton sur le bord. Puis c'est pas plus brillant. Puis que tu le fasses devant des gens, au moins, comme je viens de dire, ça crée des souvenirs. Mais là, au Thunderdome, là, pas personne qui avait un souvenir de ça. Alors, c'est pour ça que j'étais pas d'accord, Gab. C'est la seule différence. C'est devant des gens corrects, c'est niaiseux, mais correct. Mais devant personne. Tu dois pas.
Tue-toi pas. Ricochet puis Mustafa Ali là, se sont tués pendant des semaines à Main Event. Il n'y a jamais personne qui a regardé ça. Non, personne. Faites pas ça, même si vous êtes capable de le faire. Maudit. En tout cas, j'irai voir de Christ. On va aux actifs et passifs. Allons au tableau principal. Le tableau de Benny. Le beau tableau que je vous ai fait avec. Bon, vous ne serez pas d'accord. Une pièce serez pas d'accord. Moi, là, je vais tout vous avouer. Je me disais, ça va être terminé les roll-up. Ça va être terminé les matchs par disqualification. Ça va être terminé les affaires qui servent à rien, qui sont plates. Ça va être terminé les pot-pop, les affaires, les foules en canne, les bruits rajoutés, la foule qui s'endort. Ça, tout ça, là, ça va être du plaisir, du plaisir, du plaisir. Même les affaires plates, ça va être plaisant. Mon Dieu, mais mercredi, le plaisir. Ça a duré 20 minutes. Ça a duré 20 minutes, honnêtement. On a eu 20 minutes de plaisir. Puis après ça, ben, les gens se sont dit... Bon, ben Roman Reigns est parti. Qu'est-ce qu'on va faire, nous autres? On est-tu obligé de rester jusqu'à la fin? Parce que, honnêtement, le reste, ça nous intéresse pas tant. Hein? What? What? C'est ce qu'on fait. C'est ça? Allez-vous ramener Roman Reigns? Non? OK. Bon, ben, Colin. Fait que c'est les pour actifs. Ça, mon 1,5$. Les actifs, bon. C'est le retour de la foule, la descente du cours de Kevin Owens, pas le choix. Et les passifs, le six-man tag team, la promo de Sami Zayn et Finn Balor. Shadi et Nox. Ça, t'es amusant, Finn Balor, t'es très difficile. Shadi et Nox versus Natalia et Tamina. Beller, Camera, souci, ça aurait pu être dans les actifs. Cesaro et Otis. La promo de Corbin. La promo de Corbin, t'as vu, c'est du pur génie. Sur quoi, c'est pas exploité à son pur son maximum. Exploitez-le, puis on va être content. Hey, s'il vole du gaz la semaine prochaine, on va être content. Oui, mais là, il faut qu'il y ait une équipe de writers qui fasse le travail. Mais t'en souvenais-tu que Finn Balor a fait son retour aujourd'hui, toi? Tu t'en souvenais, puis ça t'a marqué, puis tu t'es dit, hey, si t'as manqué ça, faut que t'ailles revoir le segment. Ah, j'étais assez fait chier, je suis en vacances, il va falloir attendre 2 semaines en parlant au monde au bureau que Finn Balor est revenu. Miséricorde. Moi, non. Moi, j'étais déçu. Qu'est-ce que tu veux? J'étais déçu. Alors, c'est ça. C'est ça, c'est tout. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, c'est ça. J'avais de l'espoir, je me suis dit ça va être magique, une soirée mémorable. Eh bien non, j'étais épouvantablement déçu par ce SmackDown qui n'a pas changé de recette, nous a rendu, c'est ça, presque pas d'occasion. Je veux dire, à part Edge, là, pas d'occasion d'être grunky, de faire comme « Oh my God ». Puis Kevin Owens qui est venu sauver son match, parce que si les gens s'endormaient, chance qu'il était là. Puis personne, pas de rien de qu'est-ce qu'on nous avait ou qu'est-ce qui traîne sur les rumeurs de Phil de Dirt Sheet depuis des semaines. Même fuck pas all. Un petit quelque chose. Fuck all. Mais, rien. Mais par exemple, qu'est-ce qu'on a reçu, Benny? On a reçu des awards. Est-ce que tu veux qu'on fasse allons-y. Ça on a sur le Discord? C'est une bonne on idée. A le superbe. Renversant superbe! Ça va à l'opener. Ça va à l'opener. Roman Reigns est partout. Ben ouais. Il est partout. C'est Roman après ça, Reigns, on a ouais. La clap de golf, ce qui t'a fait applaudir dans le soir. On a, ben, comme toi, Benny, ton actif, le KO qui a elbow drop Shinsuke Nakamura. Les gens sont heureux. Absolument. Après ça, le niaise-moi. Est-ce que j'ai. Oui, j'ai un vidéo. Stupid! 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 Le niaise-moi, les roll-up. Les roll-up, ça, c'est revenu roll-up. En force. T'es comme roll-up, right? Roll-up, disqualification, roll-up. Après ça, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de mob de la soirée. Le Jean Héroldi, ça va à Liv Morgan. Liv Morgan était dress code assuré. La contravention, par exemple, Seth Rollins. C'est Rollins aussi. Seth Rollins, par exemple, ça, c'est pas vrai, là, tabarnouche. Hey. Benny, tu le sais. Là. C'est oui, mais... On s'entend, là. Ça fait des semaines qu'on le dit. Il ne se fie qu'à toi. Seth Rollins, là, c'est juste toi. Il veut juste impressionner toi. Il sait comment le faire. Et c'est que toi, il est complètement je focus sur lui et les Young Bucks me parlent exactement. Constamment. Vous êtes, je le sais, vous avez votre petit groupe là, de WhatsApp et tout. Là. Mm-hmm. Vous, êtes oui, ouais. Vous êtes juste là-dessus, vous trois. Puis là, vous on vous a ajouté Brock dernièrement là, dans ce groupe-là. Là, puis moi, qu'est-ce sais, que ça donnait? Qui est joli, pareil, hein? Avec ses cheveux qui ont l'air des ramen, là. La pause pisse. Ben, Otis Cesaro, Benny, tu l'as un peu dit tantôt. Ouais, le beaucoup bien, la MVP de la soirée, Pat McAfee qui continue à m'impressionner debout.
Oui, ben ça, oui, on est d'accord. Et la grosse nouille, Natalia et Tamina en équipe, c'est deux belles nouilles. Facilement distraites. Je pourrais ajouter Otis qui s'en va directement au bureau du chômage. Ben, je pense qu'il faut qu'il accumule des assez d'heures. J'y souhaite, faut qu'il y ait 400 heures parce que sinon, il n'y aura rien. Je suis même pas sûr que ça, oh, cette année, mais j'y souhaite. Le gars qui avait une job, hein? Il avait une belle job d'Heavy Machinery, puis depuis ce temps-là. Pauvre homme. C'est vrai que ça s'en va nulle part, pauvre Otis. Mais lui, il avait une année épouvantable. La pandémie est venue tout scraper. Benny, est-ce que tu as un mot de la fin pour nous? On a un pool, puis que tu organises la valise. Je veux remercier Robotchuck quand même pour ces awards. C'est bien apprécié. Oui. Puis faites-le vous aussi si vous êtes. Si vous regardez SmackDown. Oui, puis en fin de semaine, c'est la place aussi Discord pour aller partager, écouter Money in the Bank. Puis. Effectivement, tu allais le dire, il faut participer à Money in the Bank parce qu'il y a le pool pour gagner la ceinture principale et il y a la valise CJDLL qui vous permet de cash in pendant la prochaine année sur une seule prédiction d'un match de championnat cette année maintenant. C'est la petite twist qu'on a rajoutée. Mais donc, c'est très important, il faut faire partie de l'élite, aller sur patreon.com/. C'est juste de la lutte. Et puis, es-tu grunqué pour Money in the Bank, Guillaume? Je suis grunqué. Bon. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. On est grunqué, retour de la foule, petit party. Faites des moyens party. Faites des gros parties. On est rendu au gros party, là, Star. Là, on est en zone verte, puis tout. Donc, c'est ça. Espérons que vous allez peut-être gagner à la loterie maintenant si vous êtes vacciné. On se voit lundi pour C'est juste la lutte et lundi aussi sur la révision des comptes pour Raw. Ouais. On est partout en même temps. Et même Benny va être le mardi en France, au rebut du catch. Tabarnak, on est partout, on a envahi l'univers. On est partout. Partout. Bye, merci beaucoup, Guillaume. Hey, c'est gage, c'est la promesse. Le meilleur rapper, podcasteur, lutteur, Ali Moilou. On vient de passer la centième en tout cas, merci à vous. On vient de passer la centième en tout cas, merci à vous. C'est la promesse. Le meilleur rapper, podcasteur, lutteur, Ali Moilou. On vient de passer la centième en tout cas, merci à vous. On vient de passer la centième en tout cas, merci à vous. J'ai essayé le bœuf wagyu avec les autres, mais c'est lui qui fait la merch. Slam 10, print les shirts. Pis si tu vois un shirt de lutte pas affreux, rappelle-toi, CJDLL did it first. Le rocker de Saint-Damas passe plus de temps sur le montage que sur une guitare. Oh, j'ai wow, moi, Byron Corbin, il s'est découvert l'épicerie pour que ça insulte la 15e. Et là, notre part de week-end. Nostradamus qui est toujours vivant, c'est pas lui, panique, ma douce, elle a vu l'autre jour, il a dit hey, Christy, c'est une jeune étudiante. Tu vas arrêter mon mood. C'est désagréable. Il est parti à la même base à tabarnak. Avant-garde. Grand bois, Benny, Money, Ricky, Barty, Frankie, The Banky, The Rocky, pis Cody. Merci à l'élite, on va l'avoir notre idée. Merci à l'élite, on va l'avoir notre idée. Merci à l'élite. Alors, Baron Corbin, Warburn Planet, quand ils disent, ouais, finalement, c'est trop pour un, pis les t-shirts, ils retournent en chercher. Hey, c'est grave, c'est la promesse. Meilleur rap, podcasteur, lutteur, Ali Moilou. On vient de passer la centième, en tout cas, merci.